Wesh les victimes! J'espère que vous allez bien. On se capte aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur A4L. Vous allez voir un braquage d'ATM de fou malade. Un level de professionnalisme, c'est une dinguerie. J'ai peut-être dit quelques mensonges. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'exploser la barre de likes et des commentaires. Après, je vous donne des crunchs. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Activez la cloche pour ne rien rater. Sur ce, écoutez, prenez soin de vous. C'était Dylan. Bonne vidéo à tous. Range l'arme, ça sert à rien de t'énerver. Range l'arme. Qu'est-ce qu'il a, il est en PLS ce bonhomme? Il s'est endormi en fait. Attends. Eh, Dylan, debout. Attends, je vais le réveiller. Attends. Il faut se réveiller. Vas-y, hop, triple. Attends, hop, voilà. 002. Mais gros, mais je vais. Mais. Mais lui, c'est trop. Je vais te détruire, gros. Bon, alors là, les gars. On va mourir, hein. Évidemment, je sais pas pourquoi, je crois que cette voiture a pas vu plus longtemps. Ouais, oh là là. Oh là là. À gauche, secondes, je drift. Heureusement, j'ai ERI. Ah ben. On a déjà cassé. Quel boulet celui-là. Quel boulet. Salut. Ça va, hein? Bonjour monsieur. Bah, monsieur, j'ai des problèmes dans ma vie en ce moment. C'est vrai? Oui. Je vais maintenir la fenêtre. Oui, il faut enlever le siège un peu. Ouais, maintenir la fenêtre. Ah voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous êtes dans la merde? Alors, bah, ouais, monsieur, en fait, voilà, je vous explique. Il y a une meuf. Et bah, en fait, elle est belle, mais genre, elle est conne. Je sais pas si c'est la bonne ou pas. D'accord, mais vu que vous êtes con, ça ira très bien entre vous deux. Je peux te demander un mariage, c'est bon? Ouais. Ok, bah, nickel, bah, merci, monsieur, de votre aide. C'est grave. Toi, t'es tout. De rien, ça fera 10 000 euros. Allez, bon, moi, je vis. Capi, bonne chance pour ton tour à toi. Bon courage. Je passe. T'as un ATM par là-bas, tu vas chercher un repair kit? Allô mamie? Mais non, le chat il a sauté par la fenêtre. Mais non, la dinguerie. Allô? Ouais. À l'huile. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une manif? Mais je préfère qu'on a fait un accident, wesh. Téma, il va écraser mes triangles. Téma, non. Ah, ça va. Ah, lui, il va écraser mes triangles. Téma. Oh, il est trop gentil. Par contre, les gars, la bac avec deux gyros, c'est pas discret. Où ça? Bah, les deux avec leur bonnet là. Mais non, regarde, y'en a un qui est rangé et l'autre qui ressort après. Y'a aucun respect sur MNM. Et je vais me suicider, je crois. Tu veux que je t'aide? Après, il fait le cochon lui. Oh la vache. Non, alors c'est non, un cochon. Oh la vache derrière. Oh, l'enchaînement il était pas mal. L'enchaînement il est franchement il était pas mal. Achetez la maison. Mais non. Ouais. Ouais, quoi acheté, mais. Oh. Il faut. Mais. Wesh. Ah, wesh, il a sauté dans la bagnole. La Et vous êtes des bâtards, vous, wesh. Ouais. Heureusement que j'étais là pour te rattraper, hein. Putain, mais non, mais vous, c'est grave. Ce jump qu'il a fait. Il a sauté par la fenêtre, carrément. On va pas faire les dingues, ça monte qu'à 160. Ouais, se faire péter à 160 km/h, c'est vrai que c'est nul, en fait. Ouais, non, on va pas risquer. Hein. Ouais, on risque pas. Attends, vous voulez faire quoi, un ATM? Je sais pas. Ou quoi, on peut faire. Ah, des nacs de fou, on devrait tester. J'ai une fausse carte, hein. Quoi, tu veux la faire? Vas-y! Go! Bah attends, go réparer. Ouais, il faut d'abord réparer le bazar. Gaucher les DP et après t'as on va en. T'as pété les roucans. C'est Capu, faut demander, c'est à cause de Capu. Il a fait son drift comme un gros porc. Eh, hey, Dylan, tu veux savoir un truc drôle? Non. Très bien. Mais je savais qu'il allait dire non. Ah, je suis trop marrant, putain! Justement, si t'aurais dit oui, que j'aurais été étonné, Dylan. Vas-y, du coup, oui. Bah, du coup, non. Ah non, c'est plus drôle. Ah. Oh, y'a des DP! Y'a un mort surtout. Ah. Trop bien! Je suis en train de faire un massage de l'express, t'inquiète le massage. Hein. Y'a un DP qui s'ennuie là, viens lui demander de réparer par nous. Bah là, wesh, à droite! Vas-y. L'autre il sort où ça? Il est devant, tu sais. Tac. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va bien vous? Ça va, est-ce que vous êtes disponible pour une réparation de véhicule qui roule avec 4 roues? Ouais. Eh bah en fait, c'est pour ce véhicule là-bas là. Pas le mec avec le chapeau, hein. Je sais qu'il est costaud, comme un véhicule. Mais c'est pas, c'est le truc derrière. C'est ce véhicule-là qui a pas quelqu'un. Ouais, voilà, c'est ça. Vous pouvez monter, regardez. Il y a le pneu. Il y a un pneu qui est pas bien. Ouais. 215. Là, t'imagines, il y a les flics qui sont sur place, tu sais. Ouais, tu pleures, hein. Non, tu te barres. Oui, plutôt. Parce que si tu t'arrêtes. Demi-tour drift. C'était pas moi, je vous jure. Bon, après, Yann, il serait très bien par la comédie.
Elle est là. Elle est là. Là à droite. Comment ça se passe le hackage? Bah tu testes et tu sors. Vas-y, teste. Par contre, par les radios, parce qu'on entend mal quand vous êtes dans la voiture. Hein. Oui, mais on n'entend pas du tout. Même. Ah bah voilà. Ok les gars, c'est en cours. Quelqu'un qui guette. J'ai un serre-nacre. C'est moi ou j'entends un écho? Non, non, t'inquiète, il y a une hallucination caritative à but non lucratif. Personne n'entend. Non, j'entends vraiment un écho, hein. Non, t'inquiète. Si, je te confirme, un écho. Ouais, à gauche. T'inquiète. Ah ouais? Ah ouais, genre, il y a un hélico. Ah, oh putain. Oui, un hélico, hein. Oh putain, c'est un hélico de police. Guettez s'il y a des patrouilles qui arrivent, guettez s'il y a des patrouilles. Ah bah j'ai un hélico, on est mort. Non, non, tranquille, c'est une hallucination. Ayez pas peur, les gars, bonhomme. Vous guettez, hein. Ouais. Ayez pas peur. Ok, j'ai presque fini. Un hélico pour un ATM, quoi. Ouais, c'est un truc de fou. T'es à combien, là, la Dylan? Mais je sais pas, j'ai un tableau qui hack. Oh, tiens. Patrouille. Go. Allez, go. Allez, casse-toi. 7500. Mais oui, un hélico, tu l'entends pas? Enlève tes bouquets, bordel. Oh là. Cafilé, mon ami. Ah. Allez, on va voir si t'es encore bon. Ouh là là. Je crois qu'il y avait deux bagnoles. Quel calcul, hein. Ah ouais, motivé, là. On entend le volant bien tourner, hein. On entend tac. C'est vrai qu'on dirait qu'il y en a une dans la voiture, en fait, de pas trop. Ah, on dirait qu'il y a deux ou trois voitures, quoi. En fait, on a quoi derrière nous? On a qu'une seule bagnole pour l'instant. Ah, bah, on a qu'une seule, mais pourtant, on a pensé qu'il y en a 10. Gros, au pire, essaie de tourner dans des zones cheloues pour me lâcher, au pire, hein, s'il y a moyen de moyenner. Hein. Non, non, pas te lâcher. Si, t'inquiète. Hop là, la feinte. Oh. Ah, c'est une mauvaise idée. Ouais, très mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, ça. Très, et là, du coup, il s'est rapproché. Du coup, tout ce que t'as fait, ça sert à rien. Ouais, t'as. Prends ton temps, okay. ne stresse pas. Ouais, par là. Ah, merci, 350 euros de la paye, ça veut quand rembourser la banque. J'essaie de mettre mes bouquets, mais du coup, ça change rien. Bah oui, vu qu'on a tout ce qu'il y a plus. Attention, Hearth devant les bâtiments là-bas. Essaye de tourner quelque part avant les trucs, j'ai peur des Hearth là. Genre là. Wouah, fais gaffe par contre. Bloqué, là. Ah. Wow. Oh. Oui. Samir. Oui. Ah, d'accord. Ah. Oh, ils sont beaucoup. On va éteindre le moteur. Bah, il s'est pris ma M8 et 3. Bon, messieurs, là, on se lève là. Oh, élevez-vous là, dépêchez-vous là. Allez, on se lève là. Monsieur, s'il vous plaît, en rose, venez par là. Ah, oui, bonjour, monsieur. Ah, je vous la confirme, mais du coup, pour votre question, il est actuellement 14h01. Vous êtes placé en garde à vue. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. Ils sont beaucoup quand même, un peu pour nous. Ouais, un peu beaucoup pour un atelier. Ah, y'a du monde, hein. Oh, donc ouais, on ça, un hélico, trois. Putain, c'est vrai. Je pense la Golf, elle est morte à l'avant-droit. Je sais pas ce qu'il y a, avec qui la voiture. Ah, moi, je sais pas. Moi, on m'a récupéré au milieu du parcours pendant la poursuite. Moi, je sais pas. Au milieu du parcours pendant la poursuite. Ouais. On était toujours derrière vous. Ah, bon. On fait la queue de lui. C'est suivi, donc pas seulement véhicule qui est en cours de contrôle. Allez, dedans. Elle parle bien. Oula, alors lui, je suis mal. Monsieur, vos sourcils, bientôt, ils vont atteindre vos cheveux. C'est un truc de fou. Pas comme vos cheveux qui ont disparu, à mon avis, c'est pour ça que vous ne pouvez pas les retirer. Monsieur, vous savez que je m'énerve très vite, moi, maintenant. Oui, je tremble. Qu'est-ce que vous faites avec un coq et un chèvre cru? Ben ça, c'est pour ce soir. C'est la fête avec ma mamie, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et du coup, je vais lui faire une surprise. Ok, très bien. Bah, vous allez me les passer au 493, s'il vous plaît. Comment ça? Vous interdit de les avoir? Mais non, mais c'est le boucher de Lolis qui m'a vendu ça. Vous êtes sûr que c'est le boucher qui vous l'a vendu et pas autre chose? Eh ben, c'est pas l'agriculteur, parce que l'agriculteur, il agriculte. C'est pas le coiffeur, parce que le coiffeur, il coiffe. C'est pas mon médecin, parce que mon médecin, il fait de la médecine. Oh. Ça suffit. Alors, vous n'allez pas me parler comme ça, d'accord? Oui, non, mais je vous appelais, c'est... Oui, bah j'attends toujours ce que non, je veux du avoir. Coup, je disais, regardez, monsieur, aujourd'hui, ma mamie, elle fête ses 90 ans. Du coup, ouais. Ça mérite quand même un repas digne de ce nom. C'est pour ça que moi, Dylan Kopaski, le grand travailleur le plus honnête de Malden, j'ai été acheter de la viande pour ma mamie. Et je ne pensais pas qu'avoir de la viande crue sur soi était complètement illégal, sachant que j'ai payé cette viande. Sachant que j'ai une facture qui montre que j'ai acheté cette viande. Donc, si vous aurez l'amabilité... Il y a un distributeur ici qui marche, non?
Hey, sourcilman, vas-y, ouais, je sois gentil un peu. Alors, outrage. Non, je rigole, c'est bon, c'est bon, donné. 10 chèvres et tout, c'est trop bon. Voilà, voilà, monsieur. Voilà, c'est bien. Hey, mon mamie, elle va tous vous retrouver. Ouf, j'en ai presque peur. Alors, on est pour une attaque de distributeur automatique. On est à hauteur de 10 500 euros. Quoi, je peux payer, c'est trop bien. Plus 10 mois de prison. Hein? Plus 10 mois de prison. Par contre, monsieur, j'aimerais porter plainte. Pour? Bah, en fait, c'est M&M's. J'ai mis attention, blond trop mignon en ville. Après, on m'a pas respecté. Ouais. Bah, le jour où quelqu'un vous respectera, vous m'appellerez. Hein. Ah ouais, vous aussi, vous insinuez que je suis une victime, quoi. Ah bah, oui. Ah, non. Vous avez laissé ouvert la cellule, c'est ouvert. Ne vous inquiétez pas, c'est pour retirer les odeurs que vous avez léchées dedans. Ah, c'est parce que je sens trop bon. Ah ouais, ok, ok. Non. Bah, vous devez rester enfermé dedans pour laisser des mauvaises odeurs. Hein. On va dire que votre parfum n'est pas... Bah ouais, je mets du Lacoste. C'est trop cher, ça, ouais. Pour vous. T'as, par contre, ça va, les amendes, en vrai. Et du coup, j'ai pas gagné beaucoup, quoi. 7 500, j'ai payé 10 500. On a à moins 3K la soirée, là. Ah, c'est pas rentable. Combien de mois de prison, vous? 10. 22. Ah. Moi aussi, j'en ai 10. Moi j'en prends 20. Oh, tu vas accompagner l'autre là-bas là. Bah ouais, parce que tu te crochetais, donc j'ai pris 10 mois en plus. 22. Moi j'en ai 10, hein, abusez pas, faites pas les ouf. Je vous gifle ici. C'est 20 lui, lui c'est 20 lui. 10. Mais attends, t'as vraiment pris 20 mois? Mais oui, frère. Ah, il m'a mis 10 mois. En fait, si j'aurais 20 mois, j'aurais bien aimé tester, mais vu que j'ai 10 mois, j'ai la flemme. Les gars, on va sortir là. Moi, la tête d'homme, je sors, hein. Je m'en bats les pieds. Et tu veux sortir par où? Là-bas là. Où ça là-bas? Ah oui, sur le toit là-bas. Mais comment tu montes? Ah non, mais on peut passer. Il y en a, ils se sont déjà évadés. Oui. Mais ça doit pas être sur un toit, je sais pas, c'est trop simple pour moi. Bah, mais genre, il y a peut-être pas une échelle derrière. En fait, faut aller checker derrière les maisons, proche des trucs. Bah, moi, pour... ah, oui. En marchant comme ça. Ah bah, chais. Et là, dans la maison là, si on monte dans la maison, il y a pas une échelle? Je sais pas. Attendez là. Et ça là. Ah, oui. Ah. Oh! Wesh! Oh wesh! Oui! Ici, ici! Les gars, venez, il y a un tunnel, sa mère! Oh! Vas-y, viens. Et hop là, un petit chemin qui monte! Hop là! Attends! Non mais les gars, il suffirait de pas être aveugle bon. Quand même, c'était sûr! Ah ouais? Là, on peut s'évader! En fait, tiens! Fais gaffe. Y'a pas le portail de ce côté? Ah non, mais c'est vrai, ils ont mis une planche, c'est de ce côté. Ah, ils ont mis une planche. Ouais, je crois qu'il y a une planche. Attends, viens, marche pas à côté parce que c'est trop dangereux. Bah ouais, le plus important c'est vous deux, enfin. Moi, là, c'est ceux qui ont pris 20 mois quoi, mais après on est crazy. Stigma, t'es évadé ou pas? Non. T'es pas évadé là? Non. Ok. Ouais, je regardais derrière, y'a un mec en rose, là-bas. Wesh! Ah, vas-y! Vas-y, descends les escaliers, vas-y, on descend. Là-bas? Mec en rose? Je sais pas. C'est un mec qui s'est perdu, hein. Imagine, frère. T'es toujours pas évadé là, Sigma? Bah, faut que je descende pour m'évader, mais. Oui, mais ton timer, il est toujours là? Oui, t'es toujours là. Oui, Capu, fais gaffe, hein. Je cours, je suis évadé, hein. T'as... par contre, c'est dangereux comme parcours. Moi, je vais pas m'évader pour une minute, enfin, un mois. Mais si, c'est bon. Bah, là, les gars, si on veut, on y va, hein. Allez, tout le monde en même temps. 1, 2, 3, termine. Allez, Oh, je suis blessé! On n'est pas encore évadé là. Mais wesh. Wesh, par contre, c'est où ça? Oh! C'est bon, go! Les gars, faut courir, faut se péter, vite! On est dans la merde, sa mère. Enlevez nos vêtements, hein. Faut ouais, faut les jeter là. Faut le plus. Là, derrière les rochers au pire, sa mère. Si, on se cache. Jetez les vêtements. Hop. Et les gars, faut qu'on aille à l'opposé de nos vêtements. Vas-y, on va. Attends, on est où là? Je sais pas, frère. On se cache loin? Ben faut aller à l'opposé, et Romain il vient nous récupérer ouais, après. Mais ils vont nous retrouver. Y'a quelqu'un qui m'appelle. On essaie d'aller au plus loin. Go. Allô? Quoi? Ah oui, vas-y. Ouais. Vas-y, il t'appelle. Ouais. Vous êtes vas-y, où les gars? Accroupi. Ben je sais pas, on est loin. Essaye de nous récupérer. Va prendre une bagnole et essaye bateau, de nous récupérer. Bateau, tu peux bateau, pas. T'as un bateau ou pas? Ouais, j'ai un bateau. Mais mec, bateau. Vas-y, un bateau. On évite la route par contre. Ah ouais, vraiment. Et moi les gars, faut que je cours 1 km. Hein. Parce que du coup, vous avez plus de radio, vous avez plus rien là. Ouais, non, on a plus de radio. Ça, c'est ça qui est chiant. Par contre, c'est. Attends. Quoi, t'entends une bagnole? S'il y a une bagnole, on se met tous dans les fougères. Ouais, clairement. Je vous avais perdu. Si jamais je raccroche, c'est-à-dire qu'il y a les flics à côté de moi. Ok. Comme ça évite que je parle avec vous. Au pire, tu nous dis un nom de code, une connerie comme ça. Dis-toi que si je raccroche, c'est qu'il y a les flics. Parce que j'ai 3 heures d'appel, donc c'est impossible que ça raccroche tout seul. Tu veux que je l'appelle comment le groupe? Zizi Gang. Non, un truc mature, Dylan. Bah, la BAC. Ouais, la BAC. La BAC.
Allez. Mettez-moi un point sur, du coup, sur la carte, vous voulez que je vous récupère. Eh ouais, Romain bateau, après les gars discrets, on se pète vers lui, quoi. Oh, y'a la bague qui arrive. Hein ? La bague qui arrive. Les gars, sortez surtout pas. On se cache dans les fougères. Les gars, sortez surtout pas, il y a les flics qui sont à la sortie. Vous avez entendu, les gars ? Il va vers le... Il va vers là où il y a la station service. Pour information, il y a police à la sortie du pont et il y a Bac qui est monté. Voilà, restez là, bougez plus. Non, il y a personne qui est mort. Mais Dylan, je crois qu'il est mort, il part plus. Mais non, Dylan. Mais ça veut dire que si Dylan est mort, il va faire une balise, potentiellement. Non, pas forcément. Bah, s'il appelle, il va faire une balise. Et en le connaissant, il va appeler. C'est qui lui ? Oh, c'est la BAC. Oh, je suis dans la merde. Aïe. On veut s'allonger par terre, s'il vous plaît. C'est sapeur-pompier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas. J'étais là, chassais les lapins. Et tout à coup, je croyais un lapin, il m'a mis un coup. Ah bon ? Ouais. Vous êtes sûr que c'est un lapin ? Ouais. Oh, qu'il a été fort, le lapin. Hein. Ouais, c'est un truc de fou. Les lapins de Malden, c'est dangereux. Ah non, mais ils jouent au karaté, les lapins, avec vous, quoi. Ah, c'était un lapin fou, bah, comme celui là-bas là, mais plus costaud, du coup c'était fou. Ah oui. Où ça, un lapin? Ah, vous voyez pas? Y'a pas de lapin, monsieur? Si. Non, mais regardez, il nous entoure là. De la personne qui est derrière lui là. Il voit des lapins partout. Il nous entoure, il y en a partout. Nous les lapins. T'as des mal quelque part ou pas? Ouais. On va aller à l'hôpital de la rivière, vous avez des personnes à prévenir ou pas? Ma mamie, mais là je pense qu'elle dort. D'accord. Du coup y'a personne, parce que j'ai pas d'amis, personne même. Oh, mais faut pas dire ça. La PN. Hein? Comment ça? Quoi? La PN a cassé derrière. Oh! Oh, trop bien! Ah là là, zut alors! Zut alors! Zut, flûte! Ah là là, comment je suis totalement triste pour la police. Ah oui, je vois ça, hein. Ah là. Vous pleurez, hein. Ah ouais, c'est un truc de fou. Vous voulez des petits mouchoirs, peut-être? Ouais, s'il vous plaît, ouais. Je suis grave triste. Ah, tenez, regarde, je vous donne des petits mouchoirs. Ah, merci beaucoup. Ah ouais, je suis trop triste, là. Wow. On repart quand, sinon? Ce serait bien. Bah, là, pour l'instant... Je vais appeler Oscar, parce que... On attend qu'il y ait du monde pour la police, quoi. Hein? Bah oui, pour s'occuper de leurs collègues. Ah oui, oui, pas pour nous suivre jusqu'à l'hôpital, par exemple. Vous essayez de les éviter? Non. Mais madame, mais voyons, oh là là. Vous pouvez tout me dire, hein, vous inquiétez pas. Hein. Non, je me suis pas du tout évadé de prison, hein. Non. Ah bon? Imaginons, je vous donne un billet. Vous pouvez pas les semer? On peut pas trop, hein. Un billet, ça se refuse pas. Bah si, malheureusement, moi je les refuse. Vous aimez bien les lapins grillés, vous, ou pas? Je vous fais une livraison de lapins grillés tous les dimanches. Non, ça ira, vous inquiétez non. pas, je mange pas de lapins grillés. Encore moi, je mange pas de lapins plus court. Du poulet, peut-être? On a tout ce qu'il faut au CSP. Vous mangez des humains décédés? Mais non. Oh. Je vais vous laisser entre bonnes mains, d'accord? Oui, ça marche. Ouais. Allez, faites attention aux fourmis et... Ouais, la chasse est vite, c'est fini. Et aux lapins, ouais. Nickel, ouais. D'accord. Bonne soirée, au revoir. Ça va, au revoir. Vous avez entendu, monsieur, vous êtes entre de bonnes mains. Ah, je vois la lumière blanche, ah, elle est là. Ah, la fameuse. Ah, elle est là, j'ai disparu. Vous avez palpé tout ça, là, hein. Je suis plus là. Ah, bah si, je vous assure, vous êtes toujours là, monsieur. Ah, vous me voyez? Ah, merde. Bah oui, ou quoi? Ah, bah c'était pas mon heure, alors. Je marchais dans la forêt. Mmh. Et c'est pas, il y a 15 mecs qui m'entourent. Ah, ouais. Attendez, là je suis. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que moi, les 15 mecs, j'en ai couché 14 sur 15. Ouais. Mais il y en a, il est venu dans mon dos. Ouais. Et du coup, bah, il m'a mis un coup. Et en fait, ouais. Je suis tombé au sol. En tombant, je me suis truc la cheville. Et bah, du coup, après. Au final, vous avez trébuché sur un caillou, quoi. Non, 15 mecs, VS moi, j'en ai couché 14 sur les 15. Et puis. Ouais, il m'a fallu en coucher 15. Vous croyez où? On s'entend, s'il vous plaît? Y'a quelqu'un derrière moi? Regardez là-bas. Doit... Ouais, oui, bonjour madame. Aïe. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? On va vous le dire. C'est interdit de marcher dans la forêt après minuit. Putain, je savais. Exactement. Évadé de prison. C'est quoi ces faits là? Totalement fake. Ouais, c'est les faits que vous avez effectués, monsieur. Ils sont où vos vêtements? Le gardien n'a pas voulu me donner mes vêtements à ma sortie. À votre sortie de? De la salle des muscu. Ah. Vous avez mis dans le casier, puis vous ont pas, oui. C'est ça, voilà, ils m'ont pas redonné mes vêtements. On sera lavé la voiture après son passage. Comment... Pouvez-vous faire la vite, s'il vous plaît? Bah non. S'il vous plaît.
J'ouvre la mienne pour vous donner un peu d'air. Si vous... Merci, c'est grave gentil. Vous êtes gentil, vous comparez à l'autre là-bas. Parlez bien de mon collègue, par contre. Après, monsieur, dans une patrouille, il y a toujours un mec compétent et un incompétent. Hein. C'est logique, après. L'un peut pas rester sans l'autre. Je pourrais m'occuper de son contrôle si... Non, bien sûr, non. Ouais, monsieur Kopeski, il est 4h57, vous êtes remplacé en garde à vue. Nous avons, pour vous, exhibition sur la voie publique. Quoi? Non, mais c'est pas voulu, on m'a volé mes vêtements. Vous avez volé vos vêtements? Mais oui. Et mais qu'est-ce qui me le prouve? Monsieur, j'étais au sol, allongé, ensanglanté. Ah oui? Là, il y a des preuves, là, il y a moi, des... Ah, j'ai pas vu ça, moi. Monsieur... C'est où Ah, évasion. Oula, mais attendez, mais c'est que... Normal que ça chiffre autant, l'évasion? 30. 30 euros? 30 euros, ouais, à 3 euros près. Bon, on vient de s'entretenir entre mon collègue et moi. Ouais, vous êtes gentil, ça se voit direct à vos têtes. Là, si on applique le code pénal à la règle, vous partez pour 62 mois. On va pas vous retenir les 2 mois par milliers d'euros impayés. On va pas toucher votre argent. Donc là, par contre, vous partez pour 20 mois. Ok. Et donc la peine initiale. Par contre, monsieur Kopeski, on vous prévient. Hein. Oui. Si vous évadez. Ah non. Pour chop. Ah, pourtant, vous prenez la totale. 62, 82. Hein. Ouais, non, vous inquiétez pas là. Non, vous inquiétez pas. Enfin, 80. Non, du coup, non, ça ferait encore plus. Je suis musclé quand même. Ouais, dans vos rêves. Oui. Il y a encore des paroles des jaloux. On a dit 20 toupines, hein, c'est ça? Ouais, là, c'est 20 toupines. Ah, on peut arrondir à 10, hein. Non, mais cherchez pas si on vous met 62. Non, c'est bon. Parce qu'il va moins. Donc, taisez-vous, s'il vous plaît, jusqu'à la fin, à part si on vous parle. Non, discutez quand même, que ce soit pas la vide dans le véhicule. Voilà, on est d'accord, voilà. Ah oui, non, mais alors, il y a vide et vide. Ah, monsieur, j'ai une blague. Un peu Peggy 18, mais c'est mignon. Ouais, dit. C'est quoi un combat entre vous deux? Ce moment, on passe à 62. Non, c'est bon, j'irai pas la blague, c'est bon, j'arrête. Non, dites-la, on reste à 20. C'est quoi un combat entre vous deux? Dites-moi, j'aimerais savoir. Hein? Non, mais après, tranquille, genre. Non, je vous assure, on reste à 20. Je vous assure, on reste à 20. Vous avez ma parole, vous restez à 20, peu importe la blague. Allez-y. Ah, trop nul, un combat sanglant. Un combat sanglant? Ouais. Ah oui, sanglant. Non, mais c'est bon, après, continuez, gardien. Franchement, c'est... la blague est drôle. Ah non, monsieur Kopeski me jouait, ça. Ah, on est d'accord, du coup on descend à 15 mois. Je vais vous mettre 62. Non, c'est bon, non, c'est bon. Monsieur Bonhomme, vous avez vu les pecs? Oui, les pecs, ouais. Un peu, oui. C'est vos gros muscles, ils ont chaviré le. Eh oui, c'est pour ça, trop musclé. Allez, 15. Parce que vous partez donc pour 62 mois. Non. En vous souhaitant. Non, faut pas être méchant dans la.